Du quatrième jour du championnat du monde de J80. L'équipage Botteries est à l'entraînement sur ce championnat mythique. On fera un plan de magnifique à Soto Grande avec le détroit de Gibraltar derrière moi, que je vois pas. Il doit être par là. Là. Vous voyez pas non plus, attendez. Ah, voilà. Très sympa, très joli. Que penses-tu de ce championnat? Ah, ce championnat a été très difficile pour notre équipage, mais très instructif aussi. Beaucoup d'expériences cumulées, je pense, sur ce championnat qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs qu'ici. Un plateau hyper relevé, des passages de bouée très compliqués, la tactique à mettre en place, mais on a eu du mal à se mettre dans le championnat. Une fois qu'on a réussi, on a eu du bon, on a eu du moins bon. Un petit OCS sur la dernière, mais on est content d'avoir trouvé pas mal de choses et on a hâte de mettre ça en pratique autour. Bon, qu'est-ce que tu regrettes? Ne pas avoir été assez agressif en mode voile, c'est-à-dire réclamer, faire jouer les réclames, se faire plus respecter sur l'eau. Je pense qu'on a donné ce qu'on avait, on ne pouvait pas faire mieux. Hein, de toute façon. C'est dur les Espagnols. Les Espagnols sont très durs. Hâte de voir avec l'Angleterre l'année prochaine comment ça peut se passer. Bon, là tu vois, derrière toi, il y a la petite teuf de fin de régate. Ouais, c'est alors je peux te dire qu'en Angleterre, ce ne sera pas pareil. Ah. Tu sortiras tes bifetons, tes livres sterling, même si en ce moment elles baissent grâce au Brexit. Mais ce ne sera pas pareil. Quand même super sympa cette régate, non? La régate était super. Le plan d'eau était assez technique. Ça distribuait vraiment partout, il fallait être dedans tout le temps, pas relâcher. Par contre, il lançait pas beaucoup quand il y avait un peu de vent. Il préférait attendre vraiment le vent, ça c'était un peu pénible. On a plus l'habitude des régates à petit temps, eux ils préféraient avoir vraiment un vent dans le sens. Ouais, ils ont voulu un vent bien établi. Ouais. Moi j'ai dit merci à la patronne du comité de course. Je pense qu'elle aurait pu forcer, en faire une ou deux de plus. Mais on aurait peut-être regretté, tu vois, avec des grosses bascules de 20 degrés. Ça aurait été plus dur pour le classement et ça aurait fait vraiment mal. Bon, ben donc on se retrouve au Grand Prix de l'Orient. Au Grand Prix de l'Orient, tout à fait, et puis au National à la Vol. Et en passant par le Croatie. Et en passant par le Croatie, bien sûr, on est ensemble d'entraînement. Passe une bonne soirée. Bye. Bye.